Hey yo les potes, c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Trouve ton main Xin Zhao sur Wild Rift les gars. Alors aujourd'hui on va faire Xin Zhao. Xin Zhao que je vais jouer ici donc pour vous montrer dans la jungle. Maintenant c'est un excellent duelliste. C'est pour ça que j'ai pris l'Ignite aussi. Normalement on joue Flash, donc saut éclair pour ceux qui le veulent en français, et Smite si vous jouez en jungle, ou Flash et Ignite si vous le jouez en top lane par exemple, puisque la puissance du duelliste fait que vous pouvez très bien le jouer en laner aussi. Bref, aujourd'hui on va s'attarder plutôt à la jungle. Comme d'habitude, je vous explique les sorts et puis après je vous montre en gameplay redifféré où je recommande par-dessus mes actions pour voir un petit peu comment ça peut se jouer directement contre de vrais adversaires. Alors, dans un premier temps, je viens de vous expliquer déjà les deux sorts d'invocateurs qu'on pourra utiliser. Là, actuellement, maintenant, on va parler directement des différents spells qu'il utilise plus son passif. Alors, le passif de Xin Zhao, c'est qu'à la troisième auto-attaque que vous allez infliger à un adversaire, les dégâts seront augmenté sur la troisième auto-attaque et vous allez vous heal d'un petit peu. Donc je vais vous montrer ici, je vais essayer de prendre des dégâts de la part du raid s'il veut bien m'en mettre un petit peu, même si bon là à mon avis il va pas me mettre masse de dégâts. Ah ouais non, je me suis mis en invincible, c'est pas grave. Donc en gros je fais une, deux et trois et là normalement ça me donne un pouvoir de heal. Voilà, on a vu que vous voyez l'attaque était un peu plus forte. Voilà, l'attaque est un peu plus forte ici sur la troisième. Et donc dans ce cas-ci, ça vous permet de vous heal. Donc toutes les trois auto-attaques. Ensuite, au niveau des spells, on va commencer par le numéro 3, comme d'habitude, hein, presque, on va dire, sur la plupart des persos. Je commande avec ce spell-là. Alors le sort numéro 3, c'est un sort qui est ciblé. Vous voyez qu'il y a une petite zone. Alors ce sort ciblé, vous allez en fait dasher en direction de la cible que vous aviez choisie et toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette cible vont subir des dégâts magiques. En plus de subir ces dégâts magiques, vous allez augmenter votre vitesse d'auto-attaque et donc dans ce cas-ci avoir un peu plus vite le clean. C'est pour ça que j'utilise celui-ci. Moi, c'est pour le boost d'auto-attaque. Donc je viens ici et du coup, j'ai un boost d'auto-attaque qui est vraiment intéressant. Et comme vous le voyez, effectivement, les cibles subissent bien des dégâts aux alentours. Alors ce boost d'auto-attaque, il est valable pendant 4 secondes si je ne me trompe pas. Ça normalement on peut le voir ici. 5 secondes. 5 secondes au niveau max. Et effectivement, donc ça je ne l'ai pas dit, ça ralentit de 30% les ennemis qui sont touchés. Donc vous allez les ralentir en termes de mouvement de speed là par contre. Donc c'est quand même un très bon sort. Ensuite, en deuxième sort, moi je pars directement sur le numéro 1 dans ce cas-ci. Il fait que toutes les trois auto-attaques que vous allez infliger à votre adversaire, vous allez envoyer un bump. Alors ça c'est déjà la première chose, c'est qu'à la troisième auto-attaque, vous allez bump la cible adverse. Je vais vous montrer, donc 1, 2 et 3 et du coup vous voyez qu'elle est envoyée dans les airs. Donc c'est vraiment un bump. Et là en fait, l'autre particularité de ce sort-là, je vais vite le montrer en même temps, c'est que vous allez récupérer une seconde à chaque auto-attaque que vous faites sur les autres spells que vous utilisez. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, je m'explique. Admettons, pour faire un engage, vous faites le sort numéro 3. On va essayer de le faire sur un mannequin. Je vais vous mettre un mannequin tout de suite. Donc, on va... Hop, je vais le mettre un peu plus loin, sinon on va prendre les coups de la tour. Voilà. Tac. Donc là, on a le mannequin. Vous mettez, je vais enlever les cooldowns aussi pour que vous vous en rendiez compte, ce sera beaucoup plus facile. Donc allié, cooldown, voilà, comme ça. Donc vous allez dasher sur le mannequin, vous envoyez ceci, vous mettez le petit spell et là regardez. Vous voyez, à chaque auto-attaque que j'ai mis, les spells se sont réduits. Donc je vais le refaire un peu plus vite ici et voilà. A chaque auto-attaque, je gagne une seconde tant que mon spell est actif jusqu'au bump, jusqu'à la troisième auto-attaque qui bump. Donc c'est quand même assez fort également comme sort, dans le sens où vous pouvez faire un combo direct et avoir un clean de jungle très rapide tout en récupérant vos cooldowns. Et donc c'est un personnage avec lequel vous allez vraiment spam tous les sorts que vous avez, que ce soit dans la jungle ou même sur les champions ennemis. Donc là, je viens d'utiliser l'ulti. Et dans ce cas-ci, vous avez vu ce que ça fait comme ça. Hop, hop, on va juste tuer ça. Je viens d'utiliser l'ulti. Alors sur les monstres, ça fonctionne pas très très bien parce que vous avez vu que le monstre, je l'avais tapé. Et malgré tout, décidément, les plantes en entraînement fonctionnent pas. Et malgré tout, ça l'a dégagé. Alors normalement, l'ulti, il dit que une fois que vous allez l'utiliser, vous l'utilisez comme ça. Et là, effectivement, ça l'a dégagé parce que je ne l'avais pas encore tapé.
Alors, vous avez vu qu'il y avait une petite zone autour de moi. Donc là, je vais le faire convenablement. Et là, vous faites l'ulti. Voilà. Et là, ça a fonctionné. Donc, l'ulti, il dit que la dernière personne que vous avez touchée, avec une auto-attaque, un sort, ou un sort, pardon, n'est pas dégagée. Là, vous voyez que le creep qui était à droite est parti, sauf lui. Ça inflige un certain nombre de dégâts, bien évidemment, physiques aussi. Et alors, l'autre particularité, c'est ceci. Vous voyez, il y a une zone autour de moi. Donc là, pendant que la zone est effective autour de moi, toutes les auto-attaques des champions alliés à distance, des champions adverses à distance, pardon, ne me touchent pas. Donc je suis immunisé, entre guillemets, contre les auto-attaques de mes alliés à distance. Donc c'est quand même plutôt fort aussi. Je viens maintenant au deuxième spell parce que je me rends compte qu'en fait je ne l'ai pas expliqué. Je l'ai utilisé mais je ne l'ai pas expliqué. Vous voyez qu'en fait, même chose, c'est un sort que l'on va cibler. Et en fait, le spell ici, vous allez voir qu'il fait deux attaques. Et en gros, il va donner la première attaque, c'est le rayon qu'il y a en face de lui. Et la deuxième, c'est le rayon qu'il y a un peu plus court. Donc hop, hop, voilà, vous l'avez vu? Je le refais. 1, 2. Voilà, il donne deux coups d'étendard. 1, 2. Et alors dans ce cas-ci, voilà, en fait non, c'est le premier, le plus court qu'il donne en premier. Et puis il donne le coup en face. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus proche possible quand même. Comme ça, vous donnez les deux coups. Et en fait, ces deux coups, la vitesse de ces deux coups-là qu'il donne, sont réduits avec la vitesse d'attaque que vous créez. Donc, si j'arrive que je fais ça va déjà plus vite, puisque mon deuxième spell me donne de la vitesse d'attaque supplémentaire. Et là, dans ce cas-ci, effectivement, après, il n'y a plus qu'à. Ok? Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Le personnage est un excellent duelliste, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est vraiment un perso avec lequel vous allez essayer d'aller chercher l'affrontement. Donc, je conseille éventuellement, quand vous êtes un peu plus fiable avec le champion, de warder directement la jungle adverse pour essayer d'aller péter la gueule du gars en face, en fait, tout simplement. Vous allez vraiment aller chercher le combat, le combat, le combat, le combat et tout le temps le combat parce que c'est un excellent duelliste. En 1 contre 1, en 2 contre 1, en 3 contre 1, vous êtes vraiment très très fort et donc vous avez ce kit déjà d'escape. Donc en fait, vous décidez d'attaquer le premier champion, vous faites ceci, les deux qui étaient sur vous avec lui sont dégagés, vous lui pétez la tronche, eux en plus, si c'est des distances, ils vont font rien du tout pendant que vous pétez la tronche à l'autre et puis vous vous occupez des deux derniers et ainsi de suite. Et avec le troisième sort qui permet de récupérer le cooldown des deux premiers. C'est tout bon. Voilà, on va se retrouver directement en game pour que vous puissiez voir à l'action contre de vrais champions ce que ça donne. Et encore une fois, si toutefois vous avez d'éventuelles questions, ou si vous n'avez pas bien compris quelque chose que je vous ai expliqué, vous demandez dans les commentaires. A tout de suite les amis. Voilà les amis, donc moi je vous reprends déjà maintenant parce que comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu les différents sorts d'invocateurs que mes alliés ont choisis et ça va pas du tout. Hein. On a un Maître Yi qui part avec Heal alors qu'il devrait partir avec Ignite, on a Akali qui part avec Ghost qui devrait partir également avec Ignite ou éventuellement avec une barrière si elle est pas trop chaude au niveau de son match-up. Il y a Miss Fortune qui part avec Heal, ça va, et on a un Yasuo, même chose, qui part avec Heal, ça va pas du tout. Maintenant, vous vous rendez compte qu'on n'a pas de support non plus et donc effectivement cette game elle est vraiment très très mal embarquée déjà de base. Bref, ça c'est dit, on va se focus sur la game maintenant et on va voir un petit peu ce que cela peut donner. Et donc, on a une Akali qui sera support, dans ce cas-ci, on a un Maître Yi qui ira au mid, on a un Yasuo qui sera en solo lane et une Miss Fortune ADC. Donc, il n'y a que Miss Fortune qui a vraiment son rôle et moi-même, bien évidemment, puisque ben, moi je vous fais des vidéos et vous savez que je suis un professionnel, bien évidemment, pas du tout. Ça te fait rire, toi? Donc, on part dans la jungle. Forcément, on prend le troisième sort, comme je vous l'ai dit, qui nous permettra d'avoir justement un peu plus de vitesse d'attaque pour clear le mob. Et c'est pour ça qu'on part avec un objet de dégâts ici et pas un objet qui donne de la vitesse d'attaque avec Xin Zhao. Vous voyez que j'ai pas été dans la jungle en face pour mettre une ward, tout simplement parce que là, j'ai pas confiance en mes mates. Quand vous voulez faire ça et que vous voulez aller invade assez tard dans la jungle en face, il faut que vous ayez confiance aux personnes avec qui vous êtes. Et là, clairement, quand je voyais la compo avec laquelle j'étais, je me suis dit, ok, ça sert à rien que je fasse le fou parce que y a personne qui va me suivre, tout simplement. Bref, premier passage, mais forcément, voilà, on clean, hein, donc on utilise encore une fois son sort. N'hésitez pas à utiliser le sort ici comme je l'ai fait pour tuer les derniers petits corbins. C'est très important ici. Plus vous cleanez vite et plus vous pouvez aller gank les lanes rapidement et plus donner du coup bah, de l'air éventuellement aussi à vos laners qui auraient un peu de difficulté ou carrément aller chercher des kills et du coup snowball rapidement la partie. Du coup, je mets un point dans tous les sorts, comme ça au moins je suis tranquille. À savoir que le deuxième sort, je ne l'ai pas spécifié pendant que j'expliquais la vidéo.
au niveau de la première partie. Mais le sort numéro 2 que je vais utiliser maintenant, voilà, fait 50% de dégâts en moins sur les champions. Sur les creeps, pardon. Il fait plus de dégâts sur les champions que sur les creeps. Mais voilà, ça, c'est toujours intéressant d'avoir deux auto-attaques supplémentaires. Là, je suis parti sur le smite rouge, normalement, si je ne me trompe pas. On va le savoir dans 20 secondes, du coup, je ne sais plus. Mais étant donné que je suis un duelliste, je veux partir clairement sur le smite red. Je ferai une vidéo spécifique sur la jungle, encore une fois. Elle arrivera très bientôt, les amis, je vous le promets. Mais je ferai une vidéo, bien sûr, là-dessus, pour vous expliquer quand est-ce que je prends le rouge, quand est-ce que je prends le bleu et pourquoi. Du coup, carapateur, les amis, là, je fais très attention parce que je n'ai aucune idée d'où se situe le jungler adverse. Donc je suis bien parti sur le rouge. Je smite directement le carapateur puisque je ne sais pas où est le jungler adverse de nouveau. Ou alors on le sait mais j'ai pas trop suivi ici. Du coup, on va essayer d'aller gank un Ezreal. Alors Ezreal, franchement, c'est hyper compliqué à gank et vous allez voir tout de suite pourquoi. Voilà. Il dash out. Bon, il lui a fallu un petit peu de temps avant de dash out. Hein. Il a les réflexes d'un chat mort, comme on dit chez moi. Mais voilà, il a quand même dash out et du coup, ben forcément, c'est un peu plus compliqué. Ok, on voit que le Graves est au niveau de la mid lane et du coup, là, je vais rester tout près. Pourquoi? Parce que je suis pas trop fan pour mon Maître Yi, j'ai pas envie qu'il se fasse buter. Maître Yi, c'est quand même un excellent perso et du coup, s'il peut essayer de stomp la game, ça me va aussi. C'est un peu le même principe que Xin Zhao, hein. C'est un excellent duelliste et du coup, avoir deux bons duellistes comme ça dans la game, ce serait plutôt pas mal. Du coup, je pense que le Graves, en fait, va venir seulement faire sa jungle ici et qu'il est un poil late. Quoi qu'il en soit, j'ai une avance sur lui et je vais aller chercher directement le Z. Alors ici, je voulais smite et j'ai flash. Là, on le voit pas, mais j'étais en train de spam mon bouton en mode « Mais putain, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est parce que d'habitude, j'inverse. J'inverse. Donc le smite est à droite et le flash est à gauche. Et là, je l'ai pas fait. Du coup, ben j'ai flash. Là, on voit que c'est pas bien. Hein. Ça se passe pas très très bien dans la game, malheureusement. Heureusement, ici, le Yasuo a été faire un dive. On sait pas pourquoi, mais derrière... on voit que toutes les tourelles vont être attaquées ici. Et donc ça se passe pas trop trop bien pour le moment. Mes deux ganks se sont pas très bien passés. J'ai fait claquer le flash de personne, j'ai claqué le mien, donc ça se passe pas très très bien. C'est pas grave dans ce cas-ci. Early back, je prends des dégâts. Je vais retourner dans ma jungle, farmer pour regagner encore une fois un peu plus de sous. Et derrière avoir le premier duel gagnant. Dès que vous allez pouvoir avoir un duel gagnant, vous allez être parti les gars, franchement Xin Zhao, vous allez voir. On va avoir quelques fails ici, je vais mourir pas mal de fois dans la game et vous allez voir qu'à partir d'un moment en fait, je suis intuable, je meurs plus du tout et j'ai trop de sous en fait, j'ai trop d'avance sur mon adversaire et du coup je peux aller chercher des 2-3 adversaires d'un coup. Donc là on voit qu'ils sont tous en train de se diriger vers la bot lane, donc je vais alerter mes alliés. Donc j'alerte mon Yasuo, là maintenant on voit qu'ils sont là, le Graves connaît pas son champion. Le spell qu'il a envoyé là ne peut pas passer à travers. Du coup ici, je dégage le Ezreal exprès avec mon ulti. Mais je garde le Graves près de moi pour essayer de lui mettre des dégâts. Et comme ça au moins, même chose, il ne mettait pas de dégâts avec ses auto-attaques. Et comme son premier sort à Ezreal s'est considéré comme une auto-attaque, je suis immunisé contre ça. Bref, on n'a pas pris le kill encore une fois, malheureusement. Mais c'est pas grave, ça a permis justement de laisser de l'air à mon Maître Yi. Je vais retourner directement en mid lane, voir un petit peu ce que ça dit. J'ai mis une ward ici, très proche, pour voir au cas où il y aurait un Graves qui voudrait passer tout proche. Il n'y a personne qui se ramène, je vais back, surtout que mon Maître Yi me le demande. Sauf que là, je vois que le Ezreal, il s'avance un peu, donc il a envie. Donc j'ai vraiment envie d'essayer. Là, je vais dash, malheureusement, bon, voilà, ça passe pas. Et ici, on va voir que je vais faire une petite erreur. En fait, ma bot lane, elle est là, mais elle n'est pas là. En gros, voilà, elle est sur la lane, mais en gros, c'est comme si elle n'était pas là parce qu'elle est trop loin, en fait. Donc, elle ne peut pas intervenir ici. Mon Maître Yi, bien évidemment, non plus. Sauf que la leur, du coup, peut décaler. Et donc là, j'induis en erreur mon Maître Yi. Donc, je vais lui dire, my bad, hein, voilà, là, c'est clairement de ma faute. Par contre, derrière, voilà, maintenant, il y a toute la bot lane qui est en train de décaler, la nôtre ne décale toujours pas. Donc, je vais leur mettre duo lane AFK parce que, clairement, il y a juste Akali qui est venue, mais elle s'est arrêtée en plein milieu. Donc, elle ne bouge plus. Du coup, je pense qu'elle est AFK. Et la Miss Fortune a juste pris la tour, c'est déjà pas mal, ça fait une tour en plus pour nous, mais quelque part on a perdu un petit peu de tempo un peu pour rien. Bref, là c'est clairement la première erreur, c'est clairement de la mienne, mais ici voilà, si jamais ça vous arrive les gars et que vous voyez qu'ils sont en train de chase comme ça un adversaire très très loin, n'hésitez pas à décaler maintenant pour prendre 3 kills et prendre la tour juste après, c'est aussi worth it, c'est même plus worth it. Donc voilà, essayez de décaler un maximum, aidez vos champions et regardez bien la map autour de vous. De nouveau ici, étant donné que je suis en 0-1-0, je suis vraiment pas très bien dans ma game.
C'est 5-5 pour le moment. Je vais absolument farmer. Il faut que je me fasse des sous. Il faut que je gagne de l'XP aussi. Je dois vraiment hard stomp mes adversaires. Et comme là j'ai donné des kills faciles, ils ont gagné plus d'XP, plus de sous que moi. Donc il faut absolument que je repasse par-dessus. Pour repasser par-dessus, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille en mid lane. Il faut que je tue le Ezreal. Et une fois que j'aurai tué le Ezreal, il va falloir que je passe au dragon, etc. Donc là je vois que le Ezreal est fortement avancé. Il a rien à faire là. C'est ma jungle, pas la sienne. Je fais un flash immonde. Et du coup, je ne vais pas le tuer ici parce qu'il va flasher derrière. Et donc, je vais aller le chercher ou quoi? Non, je vais pas le chercher. Je me rabats à l'arrière. Mais mon flash ici est vraiment immonde. En vrai, dans cette game, il n'y a rien qui va. Je suis vraiment pas bien. Et du coup, je vais essayer de faire des plays. Je me précipite un peu trop. Et donc, je fais des bêtises. Mais c'est pas grave, voilà. Au moins, on n'a pas donné de kill. Le Ezreal a dû sortir. Et donc, ça permettra à mon maître Yi de pouvoir se sortir un petit peu mieux. Je vais directement agresser le Z, je vais lui mettre le smite parce qu'il m'a ulti pour réduire les dégâts qu'il m'inflige. Vous voyez que sa marque ne m'a fait absolument aucun dégât. Et là, étant donné que j'ai pas de nouvelles au niveau du jungler adverse, je vais essayer de push la lane. Sauf que le jungler arrive sur mon Yasuo, donc je vais essayer d'aller l'aider. Heureusement, il n'y a rien d'autre qui se passe et je vais mettre une ward ici pour pouvoir voir un petit peu si le jungler veut passer derrière. Pourquoi? Parce que là, j'aimerais bien faire le Herald. Je sais que le jungler était pas loin, mais il n'est pas revenu. Il n'a pas chase, donc à mon avis, il ne va pas se précipiter sur moi. Donc je me dis que j'ai peut-être un free herald. J'ai l'avantage ici en mid également, c'est que mon maître Yi peut venir me voir directement, puisque Ezreal est en top. Et en bot lane, il n'y a plus personne. Donc clairement, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire un free herald. Voilà, maintenant, il y a le jungler qui se montre en mid. Donc le herald est vraiment pour moi sans problème. Je prends le Herald, du coup la tour au mid est quasi prise, on est pas mal en tour. Si on prend une tourelle de plus, on se met des golds supplémentaires. Donc là je fais tout pour que ma team se mette bien. Et donc je balance le Herald directement en mid qui va venir attaquer cette tour. Et je me mets tout prêt pour avoir les golds, bien évidemment, très important les golds supplémentaires. Là le Yasuo il est niveau 10, je suis niveau 10, il a un raid, j'ai rien. Il faut pas que je chase quoi. Par contre, il y a le Z qui a quasi point de vie. Du coup, là maintenant, je vois qu'il y a mon Yasuo tout près. Donc je me dis, il va peut-être venir, mais il vient pas. Donc là, je suis pas trop bien. Il me met l'ulti. Fort heureusement, ça ne me tue pas. Donc là, je vais avoir la présence de me heal très rapidement. On va le bump avec la dernière auto-attaque. Et ça va permettre d'avoir le kill ici. Je vais vous montrer. Boum. Voilà. Donc là, c'était un peu tendu. Mais pas le choix. Voilà. Quand vous êtes mal dans votre game comme ça. J'ai pour habitude de dire qu'il faut sortir les doigts, hein, ok, et vous n'avez pas le choix, il faut aller chercher les kills. Je sais que le Grizz va venir dans ma jungle, je vais le warder, il faut que je vois où il est. Il est que niveau 9, hein, donc j'ai quand même un niveau de plus que lui, mine de rien. Là, il va vouloir me mettre une pression, il va vouloir m'attaquer, je vais pas faire demi-tour contre un Graves comme ça, ça me sert absolument à rien. Il va faire mon raid, tant pis, je vais l'abandonner, j'ai pas le choix. Et ici, il y a la vague de creep qui va arriver. Je préfère lui laisser le raid et prendre ceci. En attendant, il y a le maître Yi en plus qui prend le dragon, donc très bien vu de sa part. Il a vu que le jungle était dans ma jungle à moi, et donc il a fait le dragon, donc très très bien vu de sa part. On prend un objectif ici, et moi j'ai pu défendre la tour. Je me mets bien, on a pas mal de sous, mais là aussi, hein, vous voyez, j'ai encore fait la même erreur qu'avec Vi. On a énormément de thunes, et je reste avec toute cette thune-là sur moi, c'est pas normal ça, hein. Ça il faut back plus vite. Baron Nashor les gars, 10 minutes, Baron Nashor, je check vite mon raid, effectivement il est pris, je vais vite faire les corbins, et après, Ward Nashor. 10 minutes, Baron Nashor, on peut pas prendre un Sneaky Nashor à ce moment-là de la game, il faut warder. Et c'est pour ça que je vais passer à côté, je pense même pas que je vais le ward tout de suite. Est-ce que je vais le ward? Non, je vais pas le ward tout de suite. Je vais d'abord aller m'occuper des adversaires parce que je sais qu'ils vont pas faire de Nashor maintenant puisqu'ils sont tous là. Je vais balancer mon ulti pour dégager le Garen dans un premier temps. Et là, ici, effectivement, c'est freaky. Là. Hop, on reprend et on va tuer. Du coup, on est en 3-1-0. On prend un doublé ici. Ça fait très, très, vraiment du bien. Et du coup, on va malheureusement perdre deux tours en mid normalement ici. Je pense que l'Ezreal prend la tour ici. Je ward toujours pas le Nashor. Erreur de ma part là. Là je dois ward. Hein. Je devais ward le Nashor. La Miss Fortune est en train de chase le Z. C'est un assassin. Très mauvaise idée. Mais du coup, elle va quand même réussir à le tuer. Sans savoir pourquoi, mais elle réussit à le tuer. Et du coup, ici, on va pouvoir aller chercher le Ezreal très facilement. Et donc, je suis en carnage, les gars. On se rappelle hein, du 0-1-0. Là, j'ai déjà pris 4 kills. On est plutôt bien. Je vais laisser le pharma à Akali, même si elle est support. Elle a besoin de thunes pour pouvoir faire le taf. C'est une assassin, donc voilà. Il faut absolument qu'elle puisse gérer. Le problème de notre compo, en fait, c'est qu'on n'a pas de tank. Du coup, là, je vais partir sur
une première trinité. Et maintenant, je vais essayer de trouver quelque chose qui va tanker un peu plus. J'ai besoin de Tabi Ninja. Ils ont 3 AD en face qui sont vraiment exceptionnels. Et donc, je vais prendre des Tabi Ninja. Et je vais partir sur l'enchantement de gloire, normalement. Je prends la gloire, hein, là, tous les jours. Ouais. Et de nouveau de l'armure, bien évidemment. Pour contrer un petit peu les auto-attaques du Grev, du Zed, du Garen et de leur AD carry. J'ai oublié, c'était qui? Ah non, ils ont un Yasuo en face aussi, donc voilà, il faut, faut aller chercher tout ça. Leur AD carry, c'est qui? C'est Ezreal, voilà. C'est pas un AD carry réel, mais quand on regarde, leur compo est un peu particulière aussi. Donc là, même chose, je tue le Garen, enfin c'est doublé pour la Miss Fortune. Même chose, on lui sauve la vie un petit peu, hein, parce que sinon elle se fait déchirer hein, par ça, clairement. On a repoussé le Ezreal et comme ça on prenait pas de dégâts. Vous voyez que je suis full life alors qu'ils étaient à 2 à me taper. Et grâce à l'ulti justement on permet de tanker un petit peu tous ces dégâts là. Pour le moment l'Yasuo il est pas très très bien parce qu'il est 2 contre 1. Mais nous on est 2 contre 1 aussi. Et donc on peut push et forcer le Ezreal à rester dans son retranchement et à reculer un maximum. Et là malheureusement elle prend le creep, bon bref c'est pas grave. Mais en vrai elle doit me laisser un petit peu de gold. Après ça rien. Je suis quand même déjà niveau 12 hein, les gars. Donc là maintenant la jungle du Grave c'est ma jungle. Je prends tout, je prends tout. Donc dès que vous avez la possibilité, là vous voyez j'ai pris une tour partout. Là, clairement, toute la jungle, c'est la mienne. Il y a juste le Z qui va venir se donner ici. Il n'a pas beaucoup de PV, si je me rappelle bien. Ah, si, il est full life. Autant pour moi, c'est pas à ce moment-là. Mais là, du coup, il m'a ulti. Donc, je le rapproche de mon Yasuo. C'est exprès. Pour que son ombre, en fait, elle soit efficiente, certes. Mais il est obligé de la reprendre directement. Je vais flash in direct, là. J'ai pas de questions à me poser. Je flash in. Malheureusement, j'ai pas mis le Smite Red. Sinon, j'aurais pu avoir le kill. Mais finalement ça passe quand même grâce au maître Yi qui vient chercher le kill très rapidement ici. Et là normalement c'est une deuxième tour pour nous. On a la deuxième tour au mid qui devrait tomber. On ne sait pas la défendre là. Ça ne sert absolument à rien. Du coup on va faire la même chose. On va push la tour du top avec le Yasuo. Je vais aller lui donner un coup de main. Et on va aller choper le Garen ici normalement. Non il flash out. Bon ça, flasher c'est tricher hein. Ça flash pas mal. Ils ont bien suivi de toute façon mes alliés derrière, donc ils ont bien défendu la troisième tour et nous derrière on a été chercher quelques kills. Là par contre j'ai pas vu, mais je prenais la tour, donc je suis mort comme un caca ici. Normalement je dois pas prendre la tour, donc de nouveau je vais mettre sorry, my bad. Je devais pas mourir ici, mais voilà, ça arrive. Là Akali ici qui s'en sort de justesse, mais vraiment de justesse. Après il faut toujours un petit peu de chance bien évidemment. Et là ils doivent aller défendre la tour à gauche, hein. Il faut pas aller les chase, ça ne sert à rien. Il faut absolument défendre cette tour et pas la donner gratuitement. Très bien vu de ma team ici. Honnêtement voilà, c'est juste la composition qui est assez particulière. À côté de ça franchement ils jouent pas trop mal quoi. Ça joue pas trop mal. Je fais des petites erreurs par-ci par-là. Ils sont partis souvent avec 2 ou 3 PV. Mais quelque part ça permet de toute façon d'enchaîner sur quelques tours, quelques objectifs, voilà, c'est le mot que je cherchais, comme le Drake tout à l'heure par exemple, alors que l'autre est dans ma jungle et qu'il n'a rien à faire là. Du coup ici, je retourne au mid, je juste push un petit peu, mais on n'a aucune vision, on sait absolument pas où est la team adverse. Du coup là, je me dirige directement sur le Nashor, il faut que je le ward, c'est pas bien, ils ont tout le temps le carapateur, on n'a aucune ward depuis 10 minutes de jeu qu'il est là, il faut le warder, il faut que je sache où ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font? Là je vois qu'il y avait mon maître Yi et mon autre personnage qui était là. Mais ils ne viennent pas m'aider parce qu'en fait ils ont focus directement le top. Donc malheureusement je me fais avoir. Heureusement la Miss Fortune arrive un petit peu tard. Mais elle prend quand même le kill. Donc vous voyez qu'en 2 contre 1 ça se passe très très bien aussi hein. J'ai pu en dégager un. Donc celui que j'ai focus c'est celui que je veux garder vraiment pour tuer clairement. Après derrière bon voilà ils étaient 2 contre 1. Ils sont un petit peu feed donc forcément ils vont me tuer. Mais en gros quand je les ai vus dans ma jungle je me suis dit c'est bon ils vont faire le tour. Ils vont venir par l'arrière et ils vont m'aider. Malheureusement, ils ont été sur la top lane, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, puisque dans ce cas-ci, ils vont pouvoir avoir une tour, si je ne me trompe pas. Là, Akali va continuer de push et prendre la deuxième tour. Ici, on perd une tour un peu gratos. Le maître Yi qui ose pas chase le Garen, je pense qu'il aurait pu. Franchement, il aurait pu porter ses balls et y aller, mais voilà, on va pas le blame. Il a fait son taf, il a défendu derrière, donc ça compte aussi. Le Yasuo continue de push en bot lane, ça c'est très bien. Du coup, forcément, en mid lane, c'est du 2 contre 1 pour nous. Et donc là, normalement, on devrait pouvoir prendre le kill très facilement. Là, Akali qui prend le kill, c'est bien encore une fois. C'est important d'avoir tout dans des paniers différents. Ça sert à rien. On voit souvent des gars qui font des stomps, genre ils font 30-0. Sauf que les 30 kills, c'est uniquement eux qui les ont dans l'équipe.
Et du coup, s'ils meurent, ben leurs alliés, en fait, ils peuvent absolument rien faire. Ils sont toujours en train de blâmer les alliés parce qu'ils n'ont rien pu faire. Mais en même temps, t'as pris tous les kills, mec. Du coup, t'as pris tous les golds. Donc voilà, si tu prends tous les golds, t'es censé faire tout tout seul. Donc là, j'utilise mon ulti un petit peu tôt, malheureusement. Quoique, ça me permet d'aller chercher le Z. Et surtout d'esquiver certaines auto-attaques que le Griffes aurait pu mettre. Et derrière, on va aller chercher un kill supplémentaire. Donc là, je suis en 8-3-4. On est vraiment très très bien. On va pouvoir prendre la tour ici, normalement. Je vais aller chercher Yasuo. Hein. Donc là il a mis son wall, c'est bien joué de sa part parce que dans ce cas-ci alors le creep ne peut pas aller chercher le truc. Mais le maître Yi est en train de finir la game là tout seul hein. Donc c'est très très bien aussi. Je vais push un petit peu la mid lane pour faire en sorte qu'il y ait quelques creeps qui arrivent aussi. Parce que là tous mes alliés vont chercher les creeps qu'il y a autour d'eux. Et donc il va y avoir un slow push qui va se faire naturellement vers la middle lane. Voilà, vous voyez il n'y a plus qu'un seul creep qui arrive et il est vraiment mal en point. Du coup là dans ce cas-ci ça me permet d'aller chercher la tour qu'il y a juste en face. Malgré qu'il ait pris un triplé, hein. C'est très très bien. Moi ça me permet, il prend un triplé mais regardez là les 3 T3 sont finis chez eux. Donc là nous tout va arriver en slow push. Je peux aller chercher, bon malheureusement il a mis son dash out, mais je pouvais aller chercher le Ezreal. Sinon le Garen là me faisait rien, hein. Je l'ai repoussé exprès. C'est pas grave, on va continuer. Je vais mettre une ward un peu plus proche, je voulais la mettre dans le bush, là j'ai un peu mal joué. Je vais prendre le carapateur et comme ça je veux essayer de voir un petit peu s'il y a d'autres adversaires qui vont s'approcher. Là s'il y a un seul adversaire qui passe par ma ward, je le vois directement et je vais le chercher tout de suite. On n'a pas de vision sur le Ezreal donc je m'avance un peu pour savoir où il est. Je vais buter le creep avec lequel il avançait pour pas qu'il puisse push l'allée. Tu vas me dire avec un creep il peut pas faire grand chose. Mais un creep suffit des fois, hein. Il suffit d'une seule auto-attaque à mettre sur la tour. Et c'est ce creep là qui a réduit sa défense pour qu'il puisse aller la chercher. Donc là je tiens la mid lane, j'attends simplement que mes alliés reviennent. Donc ils étaient tous morts, on le rappelle. Là il y a le maître Yi qui est avec moi. Du coup je me dis c'est bon, on peut prendre l'affrontement à deux là, on va y arriver. Et je prends un nouveau à doubler. Donc je fais un carnage, voilà, parfait. Et du coup ça se passe plutôt bien. Donc là malheureusement on a utilisé nos deux sorts, tous les deux. Mais heureusement, on est tellement feed et on est à 2 contre 1 qu'il ne peut plus rien faire. Du coup ça se passe plutôt bien et je pense qu'ici ça va être game hein. On va aller chercher le Graves pour la fin de la game. Il m'a heal, c'est parfait. Et dans ce cas-ci voilà, moi j'agresse directement le Graves. J'ai pas pris le focus de la tour tout de suite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas pris le focus de la tour directement. Mais c'est pas grave, ça passe tout de même. Et du coup on prend une victoire. Je pense pas que je fasse MVP ici. Ou alors c'est vraiment sur la toute fin. Je ne sais plus. Mais voilà, donc c'était une très très bonne game. Mes alliés ont bien joué, malgré la compo un peu particulière. La compo en face n'était pas non plus la plus folle. Je fais quand même le MVP effectivement, donc en 10-3-5. Donc on voit quand même que j'ai pas mal porté, hein. 32 000 dégâts en étant jungler les gars. Et c'est là qu'on voit la différence avec Vi. C'est que je suis un champion qui va vraiment aller chercher l'affrontement à 100% et du coup pouvoir aller chercher plus de kills. Bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous souhaiteriez que je fasse une vidéo toujours sur Xin Zhao, mais cette fois-ci en top lane, pour voir un petit peu comment il pourrait se jouer, enfin en solo lane du coup, vous avez compris. Dans les commentaires toujours, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est là pour ça. En description, le lien du Discord également, donc vous pouvez directement rejoindre le Discord. Si vous n'avez pas les droits de commentaires, n'ayez crainte, c'est parce que je ne vous ai pas encore donné les droits. Je vous le donne dès que j'ai vu qu'il y a une nouvelle personne qui se connecte sur mon Discord. Et dans ce cas-ci, vous pourrez partager avec d'autres joueurs et pourquoi pas essayer de grind le ladder en vocal. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao tout le monde.